C'était une église qui vivait dans l'unité. It was a church that lived in unity. Ils avaient tout en commun. They had everything in common. Ils étaient dans le même lieu. They were in the same place. Car lorsque on aime Dieu, because when we love God, on vit dans l'unité. We live in unity. Chaque fois que l'église se démiette et se divise, whenever there's division within the church, cela commence d'abord par une perte du premier amour. It starts first of all with the losing of the first love. Vous allez remarquer dans l'église lorsque les gens aiment Dieu, il n'y a pas de rébellion. You will notice that when people love God, there's no rebellion in their midst. Il n'y a pas un groupe qui quitte et qui amène 100 personnes et un autre qui va avec 200 personnes. There's not a group that leaves with 100 people and another group that leaves with 200 people. Il n'y a pas des gens qui commencent le ministère dans la rébellion. We don't have people starting the ministry in rebellion. En blessant le cœur de leur père. Oppressing the hearts of the fathers. Et en déchirant l'église. And tearing apart the church. C'est lorsque la gloire. It's when glory. L'honneur. Honor. L'argent. Money. Prend la place de Dieu dans nos cœurs. Takes the place of God within our hearts. Que quelqu'un peut quitter l'église. That someone can leave the church. Commencer une assemblée. And start an assembly. En faisant pleurer le reste de l'église. Causing the rest of the church to cry. Toutes les églises qui commencent dans la rébellion. All the churches that start through rebellion. Sont d'abord le signe d'une perte du premier amour. Are the signs that they have lost the first love. Car lorsque j'aime Dieu. Because when I love God, j'aimerais aussi mon pasteur. I will love my pastor also. Et je ne peux pas faire quelque chose. And I cannot do anything. Qui peut déchirer un travail qui a fait 30 ans. That can tear up a work that took 30 years to et build. Et je voudrais parler à quiconque ici. And I would like to speak to anyone here. Et dans la rébellion. That is in rebellion. Où tu as commencé le ministère. Which you have started rebellion wherever you are. En déchirant une église. Or you started the ministry by tearing your church. Or you began your ministry. En blessant le cœur. By hurting the heart. De la personne qui t'a formé. Of the person who trained you. Qui t'a encadré. Who counseled you. Sache que c'est un signe. Know that this is a que sign. Tu as cessé d'aimer Dieu. The sign that you stop loving car God. Lorsque tu aimes Dieu, because when you love God, tu aimeras ton leader que tu vois. You will love your leader that you see. Alléluia. Alléluia. Aimer Dieu. Loving God. C'est aussi aimer le leader que tu as. It's also loving the leader you have above you. Celui qui t'a appris les ABC de the l'évangile. The one who taught you the alphabet of the word tu of God. Tu ne savais pas prêcher. You didn't know how to preach. Tu n'avais pas l'onction. You had no anointing. Et aujourd'hui tu as l'onction. And today you have the anointing. Et dans le secret. And in secret. Tu fais des réunions. You're having meetings. Avec un groupe. With a group. Contre le pasteur. Against the pastor. Pour commencer une église. And he's got a church. Qui s'appelle l'amour de Dieu. By the name the love of God. Des églises qui commencent dans la rébellion, rebellion, mais qui portent des noms de l'amour. Carry the love, name of love. Quelle insulte à Dieu! What an insult to God. Écoutez ceci. Listen to this. Rassembler des hommes n'est pas toujours le signe d'avoir Dieu, car il y a des rebelles qui rassemblent beaucoup de gens. Having people gather doesn't mean it's a sign of God, because rebels gather people. Absalom était un rebelle, mais il a eu beaucoup de gens derrière lui. Absalom was a rebel, but he had many people behind him. Le diable était un rebelle, il a beaucoup de démons. The devil is a rebel, but he has many demons behind him. La foule n'est pas le signe que quelqu'un a Dieu. The crowd is not a sign that you have God. Car même l'islam a beaucoup de gens. Because even Islam has a lot of people. S'il était un rebelle, if he was a rebel, pourquoi ça réussit? Why is it so mais le diable était un rebelle. The devil is a rebel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères, beloved brethren, ces groupes qui existent dans les églises, this group that exists within the church, où 10 personnes where 10 people dans le secret, in secret parlent du mal du pasteur, and say evil about 20 the pastor, personnes parlent du mal du pasteur, and say evil about c'est the pastor. Un signe de rétrogradation it's spirituelle. A sign of spiritual backsliding. Tu vas remarquer ceci. You will notice this. Quand tu aimais Dieu, when you loved God, tu n'avais pas le temps you didn't have time d'être dans ces groupes-là. To be in such groups. Quand tu aimais Dieu, when you loved God, tu n'avais pas le temps you didn't have time de causer avec un rebelle. To speak with a rebel. Quand tu aimais Dieu, when you loved God, tu n'avais pas le temps you didn't have the time d'entrer dans les bêtises de l'église. To enter to the nonsense of the church. C'est lorsqu'on cesse d'aimer it's Dieu when you stop loving qu'on God, commence à manger dans la poubelle. You start eating from the dustbin. Des gens qui mangent dans la poubelle de l'église. People who eat in the trash can of the ils sont church au courant de tous les scandales. They know every scandal de in the church. Tous les mal qui existent. They know every evil that exists. Dieu ne leur parle pas. God doesn't speak to them. Mais ils sont au courant de tout. But they know everything. Et j'aimerais parler I would like to speak à une femme ici. To a woman here. C'est dans ta maison it's in your home qu'on critique les hommes de that Dieu. They c'est dans ta maison it's in your home qu'on critique les hommes de Dieu. The ta maison est maudite. Your house is cursed. Des maisons maudites. Cursed houses. Des maisons maudites. Cursed houses. Dans ta maison ne prie pas. Houses, no c'est là où on vient critiquer that's les serviteurs de Dieu. Servant. C'est là où les rébellions commencent. That's where rebellion starts. Dans ta maison. In your house. Tes maisons maudites. Your house is cursed. Tous les potins de l'église, c'est chez toi. All the scandal, the backbiting is done in your house.
Tout ce qui blesse les hommes de Dieu, c'est chez toi. Everything that hurts the men of God comes et tu les nourris. And you feed them. Là, tu les nourris. You feed et them. Tu les reçois avec joie. And you receive et them puis with joy. Dimanche, alléluia, and pasteur, Sunday, hypocrisie. Pastor, you're a hypocrite. Hypocrisie. Hypocrisie. L'esprit de Lucifer. The spirit of Lucifer. La première église était unie. The first church was united. Parce qu'ils s'aimaient entre eux. Because they loved themselves. Et ils respectaient les apôtres. They respected the apostles. Ils étaient aux pieds des apôtres. They were at the feet of the apostles. Il n'y a pas d'unité sans respect de l'autorité spirituelle. There's no unity without respect for spiritual authority. Nous avons tous le Saint-Esprit. We all have the Holy Spirit. Nous sommes tous enfants de Dieu. We're all children of Nous God. Sommes tous les épouses. We're all brides. Mais but Dieu a établi aussi des autorités spirituelles. God also established authorities over our lives. C'est un esprit de rébellion. It is a spirit of rebellion. Refuse cette différence-là. That refuses this difference. La preuve, moi, je suis ici. The proof is that I'm here. Toi, tu es en bas. You are below there. Dites amen. Say amen. Dites amen. Say amen. Si tout le monde est chauffeur dans un bus, qu'est-ce qu'on va devenir? If everyone is a driver in the car, what's going to happen? Vous avez reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. We received the Holy Spirit. Mais c'est un seul qui avait prêché. But only one person preached. Tous avaient reçu le Saint-Esprit. They all received the Holy Spirit. Mais on veut faire des hommes de Dieu des amis. We want to make the men of God our friends. Au nom de l'humilité. In the name of humility. Oui, nous devons être humbles. Yes, we need to be Mais humble. Vous devez nous respecter. But you need to respect us. Vous devez nous honorer. You need to honor us. Lorsqu'une personne cesse d'aimer Dieu. When a person stops loving God. Elle ne respecte pas ses serviteurs. That person no longer respects his servants. Tu as remarqué. You've noticed. Tu ne respectes plus les hommes de Dieu. That you no longer respect the men of les God. Les chrétiens d'aujourd'hui m'étonnent. The Christians of today astonish me. Devant toi, hallelujah. Before you, they say hallelujah. Sur Facebook, il te manque du respect. But on Facebook, they Mais il n'y a pas respect. De différence entre Facebook et la vraie vie. But there's no difference between Facebook and real life. Quels commentaires vous mettez sur vos Facebook? What are your comments on Facebook? Sur des prédications. On the preachings. Sur des vidéos. On the videos. Des hommes de Dieu que vous ne connaissez même pas. The men of God that you do not even know. Tu ne sais pas comment Dieu l'a appelé. You don't know how God has called Tu ne le connais pas. You have no Aventurier, fils du diable. Son of the devil, you call that person adventurer. Et tu as rendu incrédules des gens. Et tu as rendu des gens incrédules. And you've made people to become unbelievers. Lorsqu'on aime Dieu, when we love God, on aime ses ambassadeurs. We love his ambassadors. On aime ses ambassadeurs. We love his ambassadors. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu d'un côté. You cannot say that you love God on mais one tu hand, n'aimes pas ses ambassadeurs. And you don't love his ambassadors on another hand. Moi, j'aimais beaucoup mon pasteur quand j'étais infidèle. I loved my pastor when I was J'aimais mon pasteur plus que mon père. I loved my pastor more than I loved my father. Plus que mon père. More than I loved my father, I loved my pastor. Et quand il a prié pour moi, and when he prayed for j'ai me, reçu son onction. I received this Pourquoi anointing? Vous ne recevez pas notre onction? Why don't you receive our anointing? Où un pasteur est puissamment utilisé par oh, Dieu. Pastor is powerfully used. Mais les fidèles ne sont pas dans la puissance. But the congregation are not in the power. Le pasteur a des dons spirituels. The pastor has spiritual gifts. Les collaborateurs ne les ont pas. But the collaborators do not have them. Un problème d'amour. There's a problem of love. Arrêtez ces choses. Stop these things. Et ces fausses doctrines. And these false doctrines. Des impolis. Impolite. Oui, les doctrines des impolis. The polite. Nous tous on est des enfants de Dieu. Nous tous on est pas de pasteur. Fais attention, tu es en train de t'égarer. Hey. Pastor, be careful, you are getting lost. Hey. How can you speak? C'est le Saint-Esprit qui te dit d'être impoli. Is it the Holy Spirit who's asking to be rude? David, même si Saul avait abandonné, Dieu l'appelait loin de l'Éternel. David called Saul his king, although he abandoned the Lord. Ce ne sont pas vous qui nous avez appelés pour nous juger. You are not the one who called us to judge us. Donne-moi l'amen. Say an amen. Tu viens chez moi à la maison. You come to my house. Tu trouves mon travailleur, il est en train de mal laver les carreaux. You find my worker is not washing well the tiles. Et puis tu dis. And you say. Tu es renvoyé. You're chased out. Tu l'avais engagé. Did you hire him? Et toi tu viens, tu dis, toi tu n'es plus homme de Dieu. C'est toi qui m'avais appelé. Say, you're no longer a man of God. Are you the one who called me? Parce que nous lisons la même Bible. Because we read the same Bible. Nous nous agenouillons de la même manière. We kneel down in the same way. Nous parlons langue de la même manière. We even speak in the same way. Beaucoup de chrétiens. A lot of Christians. Tombent dans l'impolitesse spirituelle. Fall in spiritual rudeness. Ils étaient soumis aux apôtres. They were submitted to the apostles. Une église qui vit dans l'amour. A church that lives in love. Ne se divise pas. Never divides itself. Elle ouvre des extensions. It's
Elle envoie des missionnaires. He coordinates with the missionaries.